Peggy 3. Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Project Car les amis, la manche numéro 3, hein, bien sûr sur les 5 que l'on doit faire pour ce circuit de LMP1 pour être sacré champion du monde et terminer ce petit jeu Project Car, du moins son mode carrière au moins. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la manche numéro 3 à Spa-Francorchamps les amis. On va pouvoir aller s'amuser sur le circuit belge, hein, que l'on connaît. On a déjà fait sur le tournoi qualificatif juste avant ce championnat du monde. C'était le tournoi européen, bien sûr. Donc, on avait commencé d'ailleurs par celui-ci. C'est un circuit qu'on connaît plutôt pas mal, puisqu'on a évolué dessus très souvent sur Project Car, mais aussi sur Forza 6. Donc, voilà, le circuit ne nous est pas non plus inconnu. On va essayer donc de remporter cette troisième manche. Spécialité aujourd'hui, je suis au volant. Alors pour l'instant, je reste en boîte automatique, le temps de m'habituer à la conduite au volant, parce que je vous assure, j'ai testé, hein, j'ai fait deux petites courses juste avant en mode libre. On va dire que c'était pas très concluant. On va dire que c'était pas très concluant, les amis. Donc on va voir. Hein. Pour l'instant, je suis resté en boîte automatique et on verra au fur et à mesure de l'avancement, de l'habituement, bien sûr, au volant, si je passe en boîte manuelle. Voilà. Hein. Mais pour l'instant, on va rester en boîte auto, les amis. Ça va aller très très bien. Allez, on commence. Est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence? Faut pas que je perde non plus parce que vous savez que voilà, c'est la manche qualificative, championnat du monde. Je vais être champion. Voilà, faut pas perdre non plus, hein. On lance les qualifs. On lance les qualifs. Alors, on a un circuit belge de 7 km et 20 virages, dont la chicane, bien sûr, Alonso, juste avant l'arrivée. Hein, vous le savez, on l'a rebaptisé comme ça sur Forza 6. Pour les malheurs de... j'allais dire pour les malheurs de Sophie, mais non, c'est les malheurs d'Alonso. Donc, voilà. Je sais que ça lui fait plaisir. Ça lui a fait plaisir, d'ailleurs, que je renomme cette chicane à son nom. Hein. Il me l'avait dit en commentaire de la vidéo Forza 6. Et je sais que c'est un très grand fan aussi maintenant de ma série Jean-Michel le camionneur de l'extrême. Très très bonne série les amis, n'hésitez pas à aller la voir. Et je m'amuse beaucoup dessus. J'ai encore modé le jeu un tout petit peu plus pour qu'il soit encore plus intéressant. Et je pense qu'on va y a de quoi s'amuser. Allez c'est parti. Les qualifications les amis. On y croit. Je vous cache pas, j'ai quand même un petit peu la pression parce que je me suis pas du tout habitué à conduire au volant sur la console. Je l'utilise réellement que pour le PC et mes jeux de camion là pour l'instant. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu le... pas la pression, mais ouais, un petit peu quand même, hein, on va dire. Un petit peu la pression sur le fait que voilà, je me suis pas du tout habitué. C'est pour ça d'ailleurs que je suis resté en boîte automatique. Parce que je me suis dit, si je dois en plus gérer les vitesses, à mon avis, ça va être n'importe quoi. Oh là là là, c'est impressionnant le retour de force qu'il met dans les dents. Alors par contre, est-ce que je vais avoir le même défaut que sur la manette, c'est-à-dire accélérer beaucoup trop fort en sortie de virage? C'est possible. C'est possible. Est-ce que je vais bien reprendre mes repères aussi au niveau des freinages? Ok, au niveau des freinages aussi parce que... c'est pareil, hein, faut vraiment se réhabituer à tout, peut-être reprendre des repères, parce qu'on n'aura peut-être pas le même freinage ou la même accélération. Attention, attention pas trop accélérer. Bon toi Jean-Michel, tu vas me laisser passer ou pas? S'il te plaît, laisse-moi passer. Merde. Jean-Michel, c'est pas possible ça. Alors je ne sais absolument pas quelle touche il faut utiliser pour regarder derrière soi. Je pense que ça n'a pas changé, donc ça doit être carré je crois, non? En carré, c'est changement de vue. Alors, je sais pas par contre. Je ne sais absolument pas si je ferai une vue cockpit avec le volant. Hein, faut peut-être pas abuser. On va regarder ce que ça donne, tiens. Mais je sais pas si je tente la vue cockpit. Hein, parce que, alors déjà que j'ai du mal en vue extérieure, je
Musique avec la vue cockpit, ça risque d'être un petit peu plus folklorique encore plus. Alors je sais pas trop, j'hésite encore. Peut-être quand je me serai un petit peu mieux habitué à la conduite au volant. Certes, il reste pas beaucoup de courses. Certes, il reste pas beaucoup de courses sur ce championnat, mais voilà. Hein. Je vais quand même essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour être champion, sachant qu'il justement on n'a pas énormément d'avance non plus. Survivor, encore une fois, gros défaut, hein, bien sûr. Et là, on se lance. Arrête le retour de force, s'il te plaît. Là, on se lance. Oui, c'est parti. Tourne, merci. Et faut y aller. Ouais, c'est impressionnant, hein. Tous les sursauts de la voiture, on les ressent dans le volant, mais c'est génial. Alors moi, c'est la première fois, hein, que depuis très longtemps que je conduis au volant sur la console. La dernière fois que j'avais essayé un volant sur une console, le retour de force n'était pas encore existant sur les volants. Ou alors c'était vraiment les volants vraiment pour la simulation. Mais moi, la dernière fois que j'ai joué au volant, c'était sur la PlayStation 2, je crois. Alors, un Gran Turismo, je ne sais plus lequel. Je ne sais absolument plus lequel sur PlayStation 2. Et le volant, c'était un Thrustmaster de ce temps-là aussi. Et un Ferrari. C'était le volant Thrustmaster Ferrari. Qui était d'ailleurs fait, je crois, pour Gran Turismo, si je ne m'abuse, ou un truc comme ça. Et voilà, il n'y avait pas le retour de force, on avait juste le volant et le truc, c'est basique, quoi. Et là, ça fait très longtemps que j'ai pas conduit au volant sur un jeu vidéo. Et ça fait bizarre de tout ressentir vraiment. Tous les petits sursauts. On a le retour de force qui gère ça. Alors c'est pour ça que je sais pas si j'ai bien réglé le volant. Allez Jean-Michel, faut que tu me laisses passer là, on est autour des qualifs s'il te plaît. Il faut absolument que je fasse la pole parce que je peux pas me retrouver dans le peloton, j'arriverai pas à doubler les gens sans les collisionner, voilà. C'est ce que je voulais dire, j'arrivais pas à trouver mes mots. Il faut absolument que j'arrive à faire la pole, sinon on va être dans le caca. Allez, on fait le freinage. Yes, ça passe. Il faut que je fasse attention au vibreur. Allez, quel temps on va avoir? Ah, j'ai oublié de freiner. Quel congre. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Disqualification, accrochage avec un concurrent. Bon, bah on vient de se faire éliminer, c'est génial. On vient de se faire éliminer, on va passer... à la course du coup, et on va partir 20e sur les deux courses, c'est génial, ce que je ne voulais pas malheureusement. Cool quoi. Cool, mince. Alors si ça va pas, moi je repasse à la manette, hein. Faites moi pas chier. Ah non, je vais pas rater mon championnat à cause de ça quoi. Alors, c'est très cool, mais alors si je dois m'habituer d'abord, je m'habituerai avant de continuer au volant. Mais j'avais vraiment envie de faire cet épisode au volant. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas topissime. Hein. Allez, on part 14e apparemment, les amis. C'est parti. Je fais cette course. Hein. Si ça se passe mal avec le volant, je repasserai la manette pour la deuxième. Histoire quand même de marquer quelques points. Et peut-être que avant de prendre une conduite au volant, et ben je m'habituerai peut-être à la conduite au volant avant de faire mes épisodes au volant, parce que là je peux vous dire que je galère ma race, et j'ai vraiment vraiment pas envie de rater mon championnat à cause de ça, sachant que là on n'a pas énormément d'avance au championnat, hein, on est sur la manche numéro 3 là, et que c'est pas le moment justement de perdre trop de points si on veut vraiment finir champion à la fin de la saison. Donc il faut remonter absolument. Allez, laisse-moi passer, toi t'es gentil. Allez, laissez-moi passer, vous aussi, arrêtez de me taper. Poussez-vous, poussez-moi. Non, poussez-moi pas, s'il vous plaît. Dégage, toi, dégage. Vas-y, toi, je te fais l'intérieur. Donc, c'est... Maintenant, c'est sûr et certain, je ne serai pas vu cockpit au volant, hein, faut pas déconner.
vu comment que ça se passe en vue extérieure, je ne vais pas tenter le diable avec la vue cockpit. Allez, on est remonté à 7ème place, les amis. 7ème place, on peut le faire. J'ai pas fait gaffe combien on avait de tours. Ah bah oui, on n'a pas de tours, c'est un temps limite. Donc il nous reste encore. Bah, je pense qu'il nous reste encore un tour. Et à la rigueur, je sais même pas si on va réussir à faire un tour. Parce qu'il nous reste 1 minute 47. Donc ça se trouve, on est dans le dernier tour. Ce qui serait assez bizarre. Mais voilà, le circuit est quand même assez long. Laisse-moi passer, toi. T'es gentil. Faut que je fasse gaffe à ces freinages tardifs aussi, hein, parce que ça me fait patiner. Et la voiture peut partir en couille. Et je suis vraiment, mais vraiment comme si j'étais à l'intérieur de la voiture. Sauf que je suis en vue extérieure, ça c'est cool. Alors franchement, si j'étais en vue cockpit, je pense que ça serait encore le plus immersif. Mais je le sens pas. Là je le sens pas. On est remonté à la 5ème place, donc je vais pas trop tenter le diable. Non, fais pas le con Bartoli. Voilà, merci. Fais pas trop le con. Je vais pas trop tenter le diable si je peux rentrer dans les points ce tour. Ouais, il va nous rester un tour encore. Il va nous rester encore un petit tour. Voilà, les bosses qu'il y a sur la route, vous entendez, hein, le volant fait du bruit. Normalement, le micro doit capter ces bruits. Non. Casse pas ma voiture. Casse la tienne si tu veux, mais pas la mienne. Et on est reparti. Je pense hein, que le micro capte tous les bruits du retour de force là. Donc, vous entendez tout le bordel que ça fait. Allez, on est bien là. Ouais, on lui met la pression, mais moi je l'ai aussi, vous inquiétez pas. J'ai vraiment, vraiment la trouille de faire une grosse connerie. Comme on a fait en qualification, et me retrouver disqualifié encore une fois. Allez, laisse-moi passer toi, laisse-moi passer, t'es gentil. Non, 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 merci. Allez, ça va le faire. On the final lap, ok. Thank you, my friend. Non, 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 ralentis, on est trop rapide. N'accélère pas trop. Oui, voilà, Jean-Michel, tu peux le faire. Ok, c'est parti, let's go. Nous sommes premiers, les amis. Nous sommes premiers dans le dernier tour. It's the final lap, come down. Non, je déconne. C'est pas du tout ça, en plus. J'ai rajouté lap, alors qu'il n'y a pas lap. Allez. On assure les tracés, on assure les freinages, on assure les accélérations. Oh là 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 là, je suis en chaleur. Hein. Pareil, ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Mais il fait extrêmement chaud. Je suis vraiment crispé sur mon volant. J'ai vraiment pas envie de faire une connerie. Il commence à faire chaud. Bonjour! Quelle idée j'ai eu de faire cet épisode au volant, les amis. Mais quelle idée j'ai eu. Voilà, Jean-Michel, on va y arriver. Allez, Jean-Michel, la dernière chicane. Allez. Et allez, il nous reste plus que le virage de la source, comme on l'a appris. Oh là là, c'est boss ici, c'est impressionnant. On fait trembler mon bureau sur le mur et tout, carrément, quoi. Allez, le virage de la source, comme nous l'a dit, bien sûr. Qui c'est qui nous l'avait dit, d'ailleurs, le virage de la source? Je ne sais plus. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Je suis désolé. Hein. Là, je suis vraiment concentré sur moi, sur ma course. C'est pas sur moi, parce que autrement, ça serait nombriliste. On a fini premier en partant 14e, les amis. C'est cool. Oh là là, mais voilà. Allez. On y va. Et je suis... franchement, je suis bouillant, quoi. J'ai très, très chaud. Et on a 106 points, on a quand même un petit peu d'avance en fait. On a quand même un petit peu d'avance au championnat. Mais faut pas déconner. Voilà, faut pas quand même déconner. On y va. Course numéro 2. Par contre, là, on part 20ème. Aïe, 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 aïe. Là, par contre, on part 20ème. Là, c'est autre chose. Là, il va falloir remonter tout le monde. Par contre, on aura un peu plus de temps. Hein. On aura une minute de plus. Alors, je vais faire attention parce que dans le virage de la source, bien sûr, avec le départ, ça va être le bordel. Ah ouais, maintenant que je sais, c'est le virage de la... Oh, shit! C'est bon. Calmez-vous! Oh là 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 là, barrez-vous, cours de bim! Laissez-moi passer, bordel de merde! Ah ouais, maintenant que je sais que c'est le virage de la source, on va le dire à chaque fois. Ah oui, attendez, pas déconner. Ta gueule! Avertissement de ta mère, allez, arrête tes conneries.
Je fais ça pour éviter les gens, moi. Alors, dans ce cas-là, je leur fonce dedans, il n'y a pas de souci, hein. Si c'est ce qu'il faut faire. Non, mais oh. Non, t'es gentil, toi. Vas-y, arrête. Ah, merci. Voilà. Là, il n'y a pas d'avertissement parce que j'étais en collision avec un mec, hein. Sinon, il aurait eu un avertissement aussi. Allez, on est remonté à la 14e place. Allez, je suis bouillant, les amis. Ouloulouloulou. Et franchement, c'est un kiff total. Je regrette pas, en fait. C'est bon, je regretterai si je perds la course, mais franchement, c'est très kiffant. C'est très kiffant de conduire au volant. Alors, par contre, le retour de force me fait extrêmement peur. Hein. Des fois, il me fait des trucs. Il me fait des trucs, j'ai l'impression qu'il va me casser la main. Allez, tut-tut! Laissez-moi passer, s'il vous plaît! Allez, on freine. Ouais, ça passe. Ça passe. Non, hop là, accélère pas trop. On était large autrement. Et allez, ça fait sauter les petits plots. Et allez! Je vous jure. Oh putain, on va se le prendre. Trop con! Putain, qu'est-ce que tu me fais, toi? Pas possible! Tutut, laissez passer Jean-Michel! Et franchement, je suis à deux doigts de passer en vue cockpit, les amis. Mais j'ai tellement peur de me viander. Allez. Ah, j'arrive trop fort. On va court-circuiter. Mais ta gueule, l'ingénieur. Ah, c'est bon, on a compris. Voilà, mettez des avertissements à chaque fois. Allez, les amis, pour vous faire plaisir. Ah, mon dieu, je vais me ridiculiser. Oh, c'est... Oh là là, c'est énorme. Non, ça peut être possible. Je vois rien. Bonjour. Non, mais oui, voilà. Faut pas. Ah non, on retourne 14e. Bon, on a un petit peu d'avance au championnat, ça va, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Mais voilà. On voit rien en cockpit. À la manette, ça va, c'est gérable. Mais au volant, non, c'est pas du tout gérable en fait. Je pourrais pas en vue cockpit. C'est pas possible. Peut-être plus tard, peut-être quand j'y serai peut-être un peu plus habitué, ou alors peut-être que j'aurais peut-être mieux réglé mon volant, parce que là c'est vrai que les retours de force sont quand même assez mal. Allez, par contre, on va falloir me laisser passer maintenant, les amis. Il faut quand même que je rentre dans quelques points, si c'est possible. Si on peut aller chercher la 10e place, prendre un point, ça serait cool. Parce que là en plus, on n'a aucun point bonus, il me semble. Allez, pourquoi tu déboîtes? Ouais, c'est pas grave, c'est la fin du tour. T'inquiète pas, Kiki, on va passer la ligne d'arrivée et ça sera terminé. Du moment que ça me gêne pas trop sur ma conduite, on s'en fout de l'aérodynamisme, j'en ai pas besoin. Allez, faudrait que... Oh putain, j'ai pas freiné. Ah, désolé mec, j'ai pas freiné, excuse-moi. Mais par contre, faudrait que tu me laisses passer, si c'est possible. Juste ta place. Je vais te faire le freinage là aussi, regarde, impeccable. Hop là, ça passe ça, monsieur. Allez, au moins on prendra un point, voire plus si j'arrive à doubler encore quelques-unes des voitures qui sont devant moi. On a un peu d'avance au championnat, hein. Vous avez vu qu'on avait 106 points et le deuxième on avait 50. Donc on est un petit peu en avance, c'est cool. C'est pour ça que je me suis permis, hein, bien sûr, de mettre la vue au cockpit. Même si je rentre pas dans les points, j'ai quand même un petit peu d'avance et au pire je réduirai mon avance de moitié. Allez, non, il faut vraiment que j'arrive à bien là. Non mais s'il te plaît, arrête de me pousser. Allez, est-ce qu'on peut le doubler lui ou pas? Je pense pas. Avant la ligne d'arrivée, ou alors faut lui faire le freinage de la source là. Allez, là, ça va être chaud. Non, ça passe. Ouais, c'est bien ça, les gars. Allez, on va finir 8e. Wouhou! Oh là là là, c'est... franchement, c'est tendu, hein. C'est franchement tendu, les amis. On a fini 8e, quand même. Continuez. Voilà, on va prendre quand même 4 points. C'est cool. On a un point bonus de la course numéro 1 avec le temps. D'accord, cool, on a quand même un point bonus. Super. Donc, allez, on s'arrête avec 110 points. Le deuxième a toujours 49 points, donc impeccable.
On n'a absolument pas perdu d'avance, même en finissant 8ème. Puisque le deuxième n'était pas dans les points, apparemment. Puisqu'il est toujours à 49. Donc ça fait plaisir. Cet épisode est terminé, les amis. Je suis en sueur, pratiquement. Je suis en sueur. Pratiquement en sueur, c'est vraiment horrible, quoi. C'est, il a, franchement, la tension était tellement haute que ça m'a fait bouillir. Mais c'est cool, c'est cool. Très très bonne sensation. Il va vraiment falloir que je m'y habitue, par contre. Donc pour l'instant, on fera peut-être pas des vues cockpit. Hein. Vous l'avez vu comment que ça se passe en vue cockpit. Mais je pense qu'on continuera. On continuera à jouer au volant, par contre. Mais il va falloir que je m'y habitue. Il va falloir que je m'y habitue. La prochaine course... Non, 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 je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, excusez-moi. La prochaine course, ce sera donc ici. Voilà, bonjour. Et ce sera... Sur Monza, génial! On ira en Italie, les amis, le circuit préféré. Putain, ça va être cool. Moi qui voulais conduire Monza, en plus, c'est sympa. On ira sur Monza pour l'avant-dernière manche du championnat, les amis, la semaine prochaine. J'espère que cet épisode au volant vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit pouce bleu, bien sûr, un commentaire, un partage et vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures tendu sur Project Car au volant. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, bien sûr, pour être tenu au courant de l'actualité des deux chaînes Twitch et YouTube. On est de plus en plus nombreux sur les deux chaînes. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir, les amis. On est pratiquement 850 sur YouTube. On a dépassé les 200 follow sur Twitch aussi. On est à 205, il me semble. Peut-être plus depuis hier, parce que j'ai live hier. Mais moi, quand j'enregistre l'épisode, pour moi, c'est ce soir. Donc, peut-être que ce soir, il y aura de nouveaux follow. D'ailleurs, je les en remercie. Peut-être qu'il y a même des unfollow aussi, parce que ça arrive très souvent sur Twitch. Hein. Donc, voilà. Merci à vous, les gars. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu, au moins, ce petit épisode un petit peu plus... un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire sur Project Car, puisqu'on a une conduite au volant et je suis pitoyable. Merci. Allez les amis, à la prochaine, salut, bye bye.